Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.
broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par le grand prêtre et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil :
il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi, ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi ? Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, «
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le ! Crucifie-le ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : À mort ! À mort ! Crucifie-le ! Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent au ciel la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne le déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph va donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Voilà jusqu'où va l'amour. L'amour, plus fort que le mal et la haine, l'amour livré. Je voudrais ce soir simplement partager un petit témoignage en lien direct avec l'actualité. Vous comprendrez rapidement. Il s'agit du prêtre qui s'est occupé d'Arnaud Beltra et qui nous livre un peu le cheminement de ce lieutenant-colonel. C'est au hasard d'une rencontre lors d'une visite de notre abbaye, monument historique, que je fais connaissance avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltra et Marielle, avec laquelle il vient de se marier civilement le 27 août 2016. Nous sympathisons très vite et ils m'ont demandé de les préparer au mariage religieux que je devais célébrer près de Vannes le 9 juin prochain. Nous avons donc passé de nombreuses heures à travailler les fondamentaux de la vie conjugale depuis près de 2 ans. Je venais de bénir leur maison le 16 décembre et nous finalisions leur dossier canonique de mariage. La très belle déclaration d'intention d'Arnaud m'est parvenue 4 jours avant sa mort héroïque. Ce jeune couple venait régulièrement à l'abbaye participer aux messes, offices et aux enseignements, en particulier à un groupe de foyers Notre-Dame de Canard. Ils faisaient partie de l'équipe de Narbonne. Ils sont venus encore dimanche dernier. Intelligent, sportif, volubile et entraînant, Arnaud parlait volontiers de sa conversion. Né dans une famille peu pratiquante, il a vécu une authentique conversion vers 2008, à près de 33 ans. Il reçoit la première communion et la confirmation après 2 ans de catéchuménat en 2010. Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray en 2015, où il demande à la Vierge Marie de rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont la foi est profonde et discrète. Les fiançailles sont célébrées à l'abbaye bretonne de Timadoc
à Pâques 2016. Passionné par la gendarmerie, il nourrit depuis toujours une passion pour la France, sa grandeur, son histoire, ses racines chrétiennes, qu'il a redécouvertes avec sa conversion. En se livrant à la place d'otage, il est probablement animé avec passion de son héroïsme d'officier, car pour lui, être gendarme voulait dire protéger. Mais il sait le risque inouï qu'il prend. Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu'il a faite à Marielle, qui est déjà civilement son épouse et qu'il aime tendrement, j'en suis témoin. Alors avait-il le droit de prendre un tel risque? Il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui l'admiration de tous. Il savait, comme l'a dit Jésus, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il savait que si sa vie commençait d'appartenir à Marielle, elle était aussi à Dieu, à la France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule une foi chrétienne, animée par la charité, pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. J'ai pu le rejoindre à l'hôpital de Carcassonne vers 21h hier soir. Les gendarmes et les médecins ou infirmières m'ont ouvert le chemin avec une délicatesse remarquable. Il était vivant mais inconscient. J'ai pu lui donner le sacrement des malades et la bénédiction apostolique à l'article de la mort. Marielle alternait ses belles formules liturgiques. Nous étions le vendredi de la Passion, vendredi dernier, juste avant l'ouverture de la Semaine Sainte. Je venais de prier l'office de nonne et le chemin de croix à son intention. Je demande au personnel soignant s'il peut avoir une médaille mariale, celle de la rue du Bac de Paris, près de lui. Compréhensible, le professionnel l'infirmière la fixe à son épaule. Je n'ai pas pu le marier, comme l'a dit maladroitement un article, car il était inconscient. Arnaud n'aura jamais d'enfant charnel. Mais son héroïsme saisissant va susciter, je le crois, de nombreux imitateurs, prêts au don d'eux-mêmes pour la France et sa joie chrétienne. J'ajouterai, ce n'est pas dans le témoignage, je l'ai appris après, que Marielle, son épouse civile, je vais venir à lui religieusement, est une ancienne élève de l'école d'évangélisation parémoniale. Baignée certainement dans, elle aussi, dans l'amour du cœur de Jésus. Je ne vais pas commenter plus ce témoignage, vous connaissez cette histoire, mais vous ne connaissiez peut-être pas cet aspect religieux. Autrefois, Maximilien Kolb, un prêtre, a donné sa vie dans un camp de concentration à la place d'un père de famille, au nom de sa foi, son amour du Christ. Aujourd'hui, Arnaud Beltrame, son frère de récupération, nous l'avons compris, au nom de son devoir, mais au nom aussi de sa foi, a donné sa vie à la suite du Christ. Je terminerai avec les paroles que j'ai dites en introduction et qui sont un appel aussi pour nous. Voilà jusqu'où va l'amour. L'amour plus fort que le mal et la haine. L'amour livré. Vous vous levez et maintenant, entre...
entrer dans cette grande prière universelle du Vendredi Saint. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François. Élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Benoît, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes, particulièrement ceux de notre paroisse. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le vin de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. S'efforce de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu a parlé en premier, qu'il progresse dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te connaître, de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. De la croix. La croix va remonter depuis le fond de l'église. Nous pourrons répondre aux trois invocations. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Nous répondrons, nous chanterons, venez, adorons. La croix remontera jusque dans le cœur. Les prêtres, les servants vénéreront la croix. Ensuite, les enfants de la profession de foi qui recevront leur croix viendront vénérer et recevoir leur croix. Ensuite, chacun de vous. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Thank you.
accomplir avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos habitants. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.